I welcome the progress we have made since our 2019 forum in Madrid with the establishment of the African Union OECD joint platform. I stress the word joint, to promote investment for productive transformation in Africa. La crise de la COVID-19 a constitué un moment de réflexion et parfois de remise en cause de plusieurs de nos stratégies de développement. Nous devons en conséquence en tirer les leçons et nous réadapter en vue de bâtir des économies plus diversifiées, plus endogènes et plus résilientes vis-à-vis des futurs chocs éventuels exogènes. À cet effet, l'Afrique doit en premier lieu explorer ses propres potentialités et exploiter les innombrables opportunités offertes par le commerce intra-africain. Il reste que pour l'ensemble des pays africains, les efforts internes ne suffiront pas pour amortir l'impact de la crise et relancer la croissance économique. Il nous faut plus de capacités financières. C'est pourquoi nos pays plaident pour un allègement conséquent de la dette afin de disposer de ressources budgétaires nécessaires pour continuer à faire face aux dépenses engendrées par la riposte sanitaire, la résilience économique et sociale, et surtout préparer la relance post-COVID. L'initiative du G20 de suspension du service de la dette va dans le bon sens, je m'en réjouis. OECD Development Center and the Africa Union are doing an excellent job, especially by putting the central issue of productive transformation to the forefront. I'm so impressed by the work done so far, and OECD Development Center is emerging as a leading global think tank, bringing this important debates, in particular issues in Africa. The exchanges really have emphasized one, or the need to continue partnerships between African countries and OECD countries, but based on the new realities that we have on the continent. Our industrialization is key, but it's industrialization, one, respecting really, I would say, the environment, not to commit the mistakes from industrialized countries. Secondly, really the support to Continental Free Trade Area Agreement. It's my belief that there can be no successful economy without strong domestic companies. So the effort to attract foreign capital is exactly the same thing as the effort to develop domestic champions and successful entrepreneurs. The best thing a government can do to attract foreign investment is to ensure that they have successful domestic companies. Considering Namibia has a 60% population of young people under the age of 35, they are the ones at the helm to be able to get our nation to industrialization. So some of the policies at hand are one, the growth at home strategy, and two, the ease of doing business. As a young parliamentarian, I'm surely supporting them and using my Ministry of Information and Communication Technology to see how we can create synergies for technology to be at the forefront of the new skill sets being offered in training programs at institutions of higher learning and vocational schools to ensure that technology plays a bigger role because we are moving towards the fourth industrial revolution. Nous avons défini ce qu'on appelle un label de qualité pour les projets PIDA. Et là, je dois remercier l'OCDE parce que nous y avons travaillé ensemble et c'est quasiment adopté par l'OCDE. Alors, ces labels de qualité PIDA permettent de cibler l'excellence des projets. Comment ils ont été préparés et quelles seront les conditions optimales? Qu'est-ce que peut apporter la communauté internationale? Nous avons répété constamment, et le président Macky Sall l'a fait très souvent au niveau du G20, qu'il fallait investir dans la préparation des projets et surtout dans Early Stage Project Preparation. Le secteur privé n'investira jamais dans le Early Stage Project Preparation. Donc, lorsque nous discutons avec des agences de développement et lorsque nous discutons avec le G20, nous mettons l'accent sur cet aspect
qui est absolument fondamental. L'infrastructure est créatrice d'emplois. Il est très important de se rendre compte. Et étant créatrice d'emplois, elle permet de tacler un des problèmes fondamentaux que nous avons, qui est la création des 20 millions d'emplois pour les corps de jeunes qui viennent sur le marché du travail et qui viendront durant les 20 prochaines années et qui sont déjà là avec nous. Ces 400 millions d'Africains sont déjà là avec nous. Alors, lorsqu'on réfléchit à l'aide au développement, ces points-là doivent être pris en compte pour qu'ils soient optimisés, appuyés et qu'on ait un dialogue concret qui aboutisse à des solutions concrètes. The only real way in which we can shape our partnerships is actually through co-creation. We do no longer speak about development cooperation, it's really international partnerships because we are fundamentally convinced that only through partnership and co-creation we can do it. It's really about this kind of recovery that embraces the twin transition, but fundamentally starting from a co-creation point of view, so anchored into Africa's own agenda that is very promising, ambitious and worth pursuing. Pour résumer, je repousse la dette et le service de la dette pour une durée de, à mon avis, plusieurs années, parce qu'avant qu'on récupère 15%, ça prend un peu de temps. Petit 2, je crée une agence de notation nouvelle qui a pour but de donner un éclairage plus juste, plus équitable sur l'investissement en Afrique. Troisièmement, je propose de créer une structure de rehaussement de crédit, de favorisation, de garantie complémentaire sur les investissements qui sont faits en Afrique et qui permet à ce moment-là d'améliorer le rating et de ne plus se poser ce problème de rating dont nous aurons besoin. The African Union Commission and the OECD can embark on joint advocacy along with the UN agencies and other international partners for support to the implementation of the AU comprehensive socio-economic and environmental response to COVID-19 health pandemic. And this is a call to you as OECD. We are ready to share with you the document, and we can have discussions if you would like to be part of it with your technical people, and we can see the areas that we can cooperate for the implementation.